Est-ce que je peux rentrer chez moi tranquillement là? J'ai une bonne petite journée, on aimerait bien rentrer en vie. Et c'est possible. Ah, ça sert à rien de le tuer, je peux pas le dépecer. Oh, y a tellement de monde sur la route, what the fuck? On est en pleine nuit là ou pas là? Non, pourtant non. Ah, ils ont un peu du mal à se déplacer dans l'eau. Quelle belle affaire. Oh, il y en a encore un. Oh, vraiment là? What the fuck? Que je sors de l'eau. Tous les coups ils veulent récupérer mon amulette. Mais non, c'est la mienne. Faudra racheter un petit peu de soie en arrivant en ville. C'est bon, on est arrivé là. Au niveau du moulin, il n'y a plus rien à craindre. Ben, je crois. Ouais, si c'est bon, c'est quasiment sûr, il n'y a rien à craindre. Let's go! Retour au bercail. On a fait la moitié du level. Demain matin, on prendra une quête chez le baron. On va se refaire une petite santé. Est-ce que j'ai un truc qui craint dans l'inventaire? Ah, ça, je vais le vendre demain. Je crois que le. Sur le marché, c'est plus intéressant. Comment elle me les reprend, elle? Faut arrêter de manger de la viande tant qu'on n'a pas remonté l'intox. Je me les rachète 3. Tant qu'on n'a pas remonté l'immunité plutôt. J'ai un truc à déposer. Pas si c'est rentable. Les vendre ici les pierres, peut-être que sur la deuxième ville c'est plus intéressant. Pour le moment j'ai pas vraiment besoin d'argent, va les mettre de côté. Quand on ira sur la deuxième ville, on vérifiera si quelqu'un nous les achète plus cher. Alors attends, je vais aller vérifier, mais je crois que lui, il m'arnaque. Ouais.
Il me les rachète. Voilà, il me les rachète beaucoup mieux. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Là, ça fait. Ça fait 100 balles. L'arbalète, je vais jamais la jouer en vrai. Et là, ça bloque deux slots. Je vais récupérer des armes. Ah, les flèches. Il les rachète 100. Allez voir le couturier. À la pose 168, c'est bon. Hop, cadeau. Vas-y, bois un coup, remplis la gourde. Je vais aller lui vendre l'épée. Toujours quelques pièces de récupérer. Voilà, merci à toi. Et coucou Griblo! Comment ça va? Ah, comment tu me la rachètes? 3. 3. Ok, peu importe, on va lui vendre à lui. Ça c'est bon. Je perds trop d'immunité. Ça on le vend, ça on le vend. Ça va pourrir dans un jour. La poire. Ah ouais, la poire c'est nice pour l'immunité, plus 5, j'avais pas fait gaffe. La patate s'égoutte pendant 2 jours. Ça c'est pareil. 3 bouteilles d'hydromel, c'est peut-être un petit peu trop, par contre je vais en déposer une. Ça peut être... Ouais, ça va bien, je te remercie. Alors le run défibrillateur, bah pas mal. Pas mal, pas mal. Bon là on est sur un nouveau run, je sais pas si t'avais suivi jusqu'à la fin hier. On est mort sur on est mort à toute fin sur les araignées. Et le début de session était difficile. Je suis mort 2 fois en très très peu de temps. Là pour le moment ça se passe plutôt bien. On vient se faire un petit 1v5 au calme. Parce qu'il voulait récupérer mon amulette. Que j'ai récupéré à la brasserie. Est vraiment pas mal. Est-ce qu'elle a des poires?
Elle me la rachète, la picole. Est-ce qu'il est là, le trappeur? J'ai pas fait gaffe. Non, il est pas là. Je vais plutôt la stocker. Voilà, donne-moi des poires, s'il te plaît. Hop, hop. Poire, raisin, pomme. Vraiment pas mal. Immunité plus 4. Moins 5, moins 8, plus 4. Moins 5, moins 5, plus 4. Moins 5, moins 5, plus 5. Ah, la poire est un petit peu mieux. Ok, c'est bon, on est good. Voilà, on est repassé à 33. On se le met de côté. Également, ça, je vais le déposer. À niveau nourriture, je vais peut-être reprendre un tout petit peu de nourriture au cas où. Voilà. Ah merde, j'ai pas vérifié le lait. Résistance aux dégâts et croisants. Plus 2 pendant 30 tours. Résistance à la faim. Plus 10 pendant 30 tours. Faim moins 5. Soif moins 20. Morale plus 1. Variation de la fatigue. Ah ouais, pour la fatigue, c'est pas mal par contre. Hein. À propos de la brasserie, je l'ai libérée. C'est formidable pour être... Ouais, okay, c'est bon. Continuez, continuez. Du cognac que je vais pouvoir filer à l'autre. Je vais pas prendre le contrat tout de suite. On va d'abord faire un aller-retour. Comme elle coûte la bague. Ok, elle m'intéresse pas, je vais la vendre. Il me la rachète, lui. 86, ok, c'est bon. Ah, c'est lui qui... C'est lui qui vend la capuche du vagabond. Hier, je l'avais acheté chez le couturier. C'est vrai qu'elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. J'ai bien envie de la reprendre. ...869, surtout je lui vends beaucoup de choses, ça lui fera un petit peu plus de thunes pour m'acheter. Non, il l'a pas lui. La cape, je vais pas l'acheter parce que rapidement on se baladera avec le sac à dos. Pour le moment, on garde celle-là. Et je pense qu'on prend le chapeau. ...869, hein, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné, mais il y a quand même vraiment pas mal.
Voilà, impeccable. Est-ce qu'il vend l'anneau XP? Un parchemin de désenchantement, on s'en fout. Du coup, on a validé la quête pour avoir la charrette. Nous permettra d'accéder à la seconde ville, on va y aller de suite. Lui, je vais aller lui filer sa bouteille de cognac. Voilà, il nous file l'amulette là. Qui est pas mal, mais du coup, j'ai un petit peu mieux, je pense que je vais la vendre. Franchement, je m'attendais pas à ce que Odar essaye de sortir de notre accord. Bon, on va pas refaire toute la lecture, les gars. On a accompli des tâches, il nous file une charrette avec des chevaux. Comme c'était prévu dans le contrat. Allons-y. Et en même temps, on va essayer de se faire payer pour un vieux contrat. Alors, il va falloir faire attention à ce qu'on lui répond. Je pense que c'est ça. Si j'insiste pour avoir l'argent, tout ça pour avoir 100 couronnes, je vais perdre de la répute. En vrai, la répute, ça monte quand même assez vite. Non, non, vas-y, file-moi ma thune, il est malade, lui. Sortirai pas sans mon argent. Centaines de pièces. Ok, on va pas négocier, on n'aura pas plus. On va accepter. Est-ce que j'ai quand même perdu la répute? Choix de dialogue, moins 100. Peut-être qu'il faut pas prendre la thune. Bon, c'est pas très grave. Je serais pas contre un petit peu de travail. Alors non, pas du tout. Hein. On n'est pas là pour ça. Ouais, en fonction de ce que tu leur dis, tu peux perdre de la répute. Hein. À mon avis, trop greedy. Ouais, sans vrai. Peut-être pas lui prendre les thunes. Ce qu'on veut faire ici, c'est... Ah merde, j'ai pas pris les livres, j'ai pas pris les bijoux. Ok, j'ai rien pris. C'est pas trop grave. Je voudrais juste débloquer la quête de l'herboriste. Ah, il est pas là, il est en train de dormir. Bon, on va passer la nuit à l'auberge. Ah, il est là, le trappeur. L'alcool, ça l'intéresse, il l'achète très très bien. Ça coûte 25, il a rachète 20. Mandibule d'araignée géante. Je pense qu'il les achète assez bien. Et le problème, c'est qu'il a pas de thunes. En vrai, c'est même pas sûr parce que les peaux de bêtes, je les vends moins cher aux trappeurs. Vas-y, mange ça.
Même la rachète la viande. La rachète 6. Et là c'est de la viande à 17. Ouais. Ok, on va passer une nuit à l'auberge. Donnez-moi une chambre. Voilà, merci à toi. Les livres. Les livres, on est sûr que ce soit... Que c'est... Ah tiens, il manque un marchand. Ah, les livres, c'est lui. Oui. On n'aura pas un meilleur prix ici. Alors attends, fais quand même voir ton shop parce que... Il y a peut-être des trucs intéressants. Lui, il vend la pelle. Elle est où la bague XP? Ah, il l'a pas. Ok. Ah, parce que là il y a un forgeron, mais il n'y a pas de tailleur. Pas de tailleur, il n'y a pas d'herboriste. Ah, elle les vend un petit peu plus cher ces tomates, elle. Il me semble qu'on les a achetés 5 dans la première ville. On vérifiera. Carotte. Le prix des ressources de base augmente. Pareil pour l'auberge. Comment ça, j'ai payé pareil l'auberge là? Après, c'est peut-être lié... à ma réputation aussi. Comme là, je suis en neutralité. Ici, je suis en bienveillance. T'avais payé 30? Ok. Il me semble que j'ai payé... Alors attends, tu me mets le doute là. Non, je crois qu'on a payé 15. Ouais, c'est pareil. Et alors, t'as relancé un run, Shedker, ou t'es toujours en prison? La troisième ville, c'était 50. Ok. Non, j'attends l'extension caravane. Ok. Alors voilà, lui très très intéressant. Parchemin d'identification. On prend tout. Ah d'ailleurs, on va identifier l'amulette. Ah la deuxième ligne est aléatoire. La ligne bleue. Et même la rachète 64. Vrai que plus 3% de CC au corps à corps, c'est cool. Hein. C'est le genre de jeu que j'apprécierais quand il sortira fini. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Voilà, donc il nous a demandé de retrouver le l'herboriste qui est il est où ce con? Oh l'herboriste il est juste... enfin il est juste à côté. Il est pas très loin disons. Ok, c'est plutôt cool. Surtout que là on a que de la prairie, là on arrive dans la forêt.
Car c'est facile d'enquiller 60 heures sur une partie en se baladant partout. Comment ça? Ah mais la ville elle est pas au même endroit. Hier elle était ici. Même l'emplacement des villes ça change. En tout cas j'ai l'impression. C'est loin, ouais ça c'est loin. Le fait de devoir recommencer une partie pour tester des nouvelles... Ouais, bah ouais, je comprends, je comprends. Je comprends. Ouais, c'est bon, on a sa quête, on ira la faire bientôt. Ah, de toute façon, ici, là, j'ai plus grand-chose qui m'intéresse tout de suite dans l'immédiat, on se casse. À propos du contrat, on va lui répondre. Alors attends, parce qu'il va me demander de l'argent. J'ai bien envie de le payer tout de suite, comme ça moi je suis tranquille. Donc on va faire... on fait de l'argent quand même assez facilement. J'ai réussi à lui faire cracher une centaine de pièces. Très bien, je vais vous apporter l'argent. Combien j'ai? Il me reste 1262. Ouais, je vais le payer de suite. Comme ça, on a accès à la troisième ville directement. Là, par contre, je ne veux pas y aller de suite. Là, ce que je veux, c'est rentrer à Osbrook. Là, pareil, j'ai mis le jeu en intéressé, mais je le prendrai pas tant qu'il sera. Ouais. Toujours le... Toujours le même problème avec un problème entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un problème, mais avec le jeu en early access. Hein. Surtout que celui-ci, celui-ci il a quand même un développement particulièrement long. Il a clairement un gros potentiel. Il a vraiment un gros potentiel sur ce jeu. Dans tous les cas, il pleut, on va pas partir de suite. On va attendre que ça s'arrête. Je vais voir à combien il me rachète l'amulette. Que c'est lui qui m'en donnera un meilleur prix. 64. Une amulette qui vaut 98. Peut-être envie de la garder pour le moment. 3 jours, 1 jour, 1 jour. Ça, on va le stocker. Un beau petit chapeau déjà, c'est cool. Et puis on va aller... Ouais, qu'est-ce que je fais en attendant là? Je peux pas partir avec ce temps, tu me diras, dans le donjon, il y aura pas de pluie. Hein. Mais c'est ce que je vais croiser sur le chemin surtout. Ah si je reprends le même combat que tout à l'heure. Sous la pluie, là je suis mort. Je suis mort 100%.
Ah non, patiente. On patiente, on patiente. D'ailleurs, le trappeur est dans cette ville maintenant. Bon, on va aller dormir. Voilà, j'ai deux parchemins d'identification. Les trois. Allez, c'est parti, une petite nuit de... Une petite nuit de 12 heures, c'est parfait, ça me fait penser à The Long Dark. Espérant qu'il pleuve pas demain matin. 1500 tours de vigueur. On va avoir la crypte ou les sangophages. Y a-t-il des contrats? Alors qu'est-ce que t'as à vendre déjà? Ah maintenant il nous vend ça. Ah, pour le moment ça m'intéresse pas des masses, surtout que j'ai pas beaucoup de thunes. Grimoire volé. Ah merde, ça va me prendre de la place dans l'inventaire ça. L'autre jour, le magistrat nous a envoyé une prime pour la tête d'Ethel le chaman, hérétique et nécromancien. Ok, c'est le nécro. T'inquiète pas, je gère. Et c'est full plane pour y aller. Est-ce que je reprends un petit peu de soin? Non, ça devrait le faire. Ah, mais juste avant, je fais une petite AFK. Je vais me faire un petit café, j'arrive.
Et re. Merci, Chibi. Ok, let's go. Bah, tout ce qu'il faut. Ouais, ça devrait aller. Peut-être reprendre une petite pomme, on sait jamais. Ah ouais, les vents 5, il me semblait bien. Les légumes sont moins chers ici. Allez, on va se reprendre une petite pomme et un petit raisin. Un coup, on se casse. La Kobe nous manque d'XP, quasiment un petit peu plus de 500. On va les prendre dans le donjon, c'est sûr. Et pendant que les contrats se reset, on ira chez l'herboriste. Si j'ai mal encore envie. Toujours un peu le problème. Mille pertuis, on avait dit que c'était pas mal. Peut-être en garder un sur moi. Là, je pourrais pas le faire cuire, ça sert à rien. Par contre, celui-là, je crois que c'est de la bonne viande. La viande un petit peu plus grosse. Ah, hop. On va faire le point d'intérêt juste à côté et on descendra. Hier je regardais un combat, le mec il faisait un combat contre le troll. Il jouait Mâchefeu. Mâchefeu, ça a l'air tellement puissant. What the fuck? Il avait des sorts, c'était dinguerie. Hein. Par contre le troll. Je crois que le troll c'est l'un des trois boss légendaires entre guillemets. Il a l'air plutôt coriace le garçon. Niveau dégâts, Mâchefeu a vraiment l'air au-dessus. Ça, c'est un gros. J'ai mal à les reconnaître les gros et les petits. Ah non, le gros il est peut-être sur la gauche, ou sinon c'est deux petits. Je peux. Ah, je peux inspecter, ok. Ok, ça c'est un moineau. Et ça c'est. Ah, c'est un mésange. C'est ça qu'on recherche.
Voilà, ça c'est nice. Ah non, c'est encore un petit, mais... Bonjour. Il m'a pas vu. Ce sort. Oh. Ah, pardon. Derrière. Ouais, donc c'était bien campement. Ok, il y en a encore un là-haut. Hop, une encore un sur la droite. Lapin que j'ai vu. Ah, c'est peut-être le lapin. Possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, une peau de sanglier, 270 balles. Ah non, je peux pas la récupérer de suite, malheureusement. C'est pas grave, elle devrait pas bouger. Les critiques à moins 30, c'est... Ouais, j'avoue. J'avoue, c'est tellement jouissif les critiques. Je vais le creuser à la main. Vraiment y avoir des bons trucs à l'intérieur. Bon là c'est pas le cas, mais vraiment y avoir des bons trucs.
que j'ai pris beaucoup de dégâts. Ouais, je prends un petit peu de dégâts quand même, ouais. Je vais peut-être la reprendre sur moi, la pelle, on ira l'acheter. Bon, c'est pas dramatique, mais... Ah, je prends 20% d'état sur le creusage. On est sur la map, on est sur la map. Alors, le nécro est pas trop dur. Attends, du moment tu arrives à gérer son souffle, sans foutre vivre. Non, il se peuvent dessus, ce con. On est arrivé. On va quand même révéler tout le secteur. Je reviendrai avec une pelle. J'ai hésité à la prendre, je me suis dit non, c'est pas grave, je vais creuser avec les mains, mais. Parce qu'on veut quand même éviter. Let's go. Quel plaisir. T'en as déjà trouvé, Shedker, toi, des passages secrets dans les donjons? Shedker ou quelqu'un d'autre d'ailleurs? On n'a pas trouvé un seul, non, aucun? Ok. T'en as trouvé Astral? Ok, t'avais monté la précision ou ou non? C'est pour ça que toi. Salle secrète. Et genre c'est rentable à l'intérieur, j'imagine. De fou. Ok. Tu te rappelles si c'était dans des zones haut level ou c'est totalement random? Ah, comme d'hab, je vais sécuriser les accès ouverts et ensuite on s'occupera des accès fermés. Vraiment stylé les donjons, je trouve. Les donjons en eux-mêmes, l'ambiance et tout. Vraiment bien fait. Ah, je sais plus si c'était dans un donjon avec des squelettes. Ok. Je me souviens plus si c'était T1 ou T2. Ok.
putain, épée courte. 75 balles avec 10 de durabilité. Ah ouais, putain. Voilà, bon, c'est pas rentable, mais sur une épée courte en bon état, j'imagine que la cassette l'est beaucoup plus. Spam la découverte, hein. Ok, on a fait tous les accès ouverts. Commencer par en bas. Derrière mon lit. Ouais, c'est le même perso, enfin c'est le même. Attends, t'avais pas voté sur la prédiction, toi? Ah, disons qu'on est mort deux fois aujourd'hui. Ouais, c'est pour donner un petit peu de suspense, tu vois. Genre vers 16h. Ah non, bah du coup je crois que c'est un autre. Il me semble. Je sais pas, je sais plus. Oh, petit bâton. Bâton non identifié. Ok, intéressant. Peut-être. Celui-là, il y a quand même pas mal de pénétration d'armure. Bon, chance de blocage, puissance de blocage, on s'en fout, mais pénétration d'armure, c'est plutôt cool. Là, par contre, c'est un bâton bleu, donc là, ça pourrait être vraiment pas mal. À voir ce que ça donne. Merde, je voulais pas récupérer ta flèche. À côté. Allez, level up là! Viens. Je comprends même pas que vous ayez pas cru en moi. Attends, j'ai bien level up, hein? J'ai bien level up. On survit jusqu'au level 4. Bah, évidemment. Quelle question. Félicitations à vous. Thanos 14 000. Bimou 6 000. La carotte 2003. Et l'Axe 1002. Le Musk a perdu 2000, ça fait plaisir.
Ok, bah nice. Allez, level 5 maintenant. Je reviens jusqu'au level 5, hein. Évidemment. Ok, je laisse 5 minutes, comme ça vous laisse le temps de voter. Bon, dans tous les cas, on monte la volonté jusqu'à 14, ça c'est sûr. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Là, dans tous les cas, je peux pas récupérer ça, c'est impossible. Donc soit... Quand je suis pas là pour voter, ça voulait me ruiner. Ouais. Ah, le dépeçage, ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse le dépeçage. Mais c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Athlétisme. Est-ce qu'on a une fuite possible? Réduit les chances de déclencher des attaques d'opportunité de 50 à 25%. Réduit les chances. Pourquoi pas? Non, il me faut genre une escape en fait. Détermine, on s'en fout. Il n'y a pas un dash. Effectue une charge. Charge de 3 cases. Octroie la capacité plus 50% de coût en énergie pour chaque ennemi adjacent. Ok, donc là on a potentiellement une escape. Réserve inférieure, on s'en fout. Il faut un truc pour me sauver là. Insaisissable. Ah ouais, là ça oblige à prendre 2 points. Si je vais récupérer ça, faudrait récupérer des engagements et ensuite récupérer. Ah, surtout que ça demande de l'agile. Ah ouais, donc ça c'est. Ouais, non, ça c'est pas possible en vrai. Pas possible. Dommage. Et bonsoir, merci. J'ai tout donné, je compte sur toi. Je vais faire ce que je peux. Hein. Tout est possible. Capacité de base. Double maniement, non, survie. Art de la guerre, athlétisme, maîtrise magique, ouais, peut-être aller récupérer le saut de puissance. Pourrait être pas mal. Ou récupérer le rocher unique. Voilà, je pense que c'est les deux possibilités qu'on a. L'armure de pierre. Qui augmente les résistances. À la fin de sa durée, l'armure de pierre explose, infligeant 5 de dégâts écrasant pour chaque attaque qu'elle a absorbée. Oh, c'est pas mal. Combien de temps ça dure? 4 tours. Ah oui, c'est quand même pas dégueulasse quoi. Le rocher runique, en vrai, autant en mâche-feu, j'en sentais grandement le besoin. Là, pas trop. Pas trop en vrai. Pas trop, pas trop. Réduit les dégâts de retour de flamme de 40% et active le saut de finesse pendant 10 tours. M'intéresse pas. Pour chaque point de compétence dépensé dans une école de magie spécialisée. Ok, c'est vraiment pour réduire les chances de coup de bâton, de retour de flamme. Pour chaque point de dégâts magiques ou naturels reçus. Pour chaque point de dégâts magiques ou naturels reçus,
Rend un point d'énergie, octroie 1,1. Ouais, l'effet se cumule 20 fois. Tu récupères 30% de résistance au bout de 5 tours. Et au bout des 20 cumuls, après il faut aller déstacker les 20 cumuls. Hein. Et ça dure 5 tours. Non, c'est ça le choix. Plus 20 de puissance magique, plus 10 de dégâts des armes, plus 1 de portée bonus. Électromancie, plus 15% de puissance électromantique, plus 25% de dégâts des armes infligées sous forme d'électricité. Moins 5% de chance de... Ouais, non, ça c'est fort. Ça c'est quand même plutôt fort. Ouais. Ça me permet de pull de plus loin. Ça me donne un petit peu plus de dégâts, ça me booste mes dégâts au corps à corps. Ah, c'est l'art de la guerre. Hein. C'est ça qu'il faut prendre. L'incantation de sort spécialisé transforme saut de puissance en un saut de l'école de magie correspondante. Et prolonge la durée de l'effet de 3 tours. Jusqu'à 9 tours. Attends, je perds... Ça veut dire que je perds les 20 de puissance, les 10 de dégâts d'âme et le bonus de portée, et je récupère la ligne électromancie. Ah, je crois. Faudra vérifier parce que je suis pas sûr. Ouais, non, c'est bien ça. Voilà. Ça vote à 10 points quand... Ouais, écoute, c'est... Je peux comprendre. Ah, c'est quoi la tête de mort? Pourquoi il y a une tête de mort? Que se passe-t-il? Ah non, j'ai encore le bug d'hier. J'ai encore le bug d'hier. Je peux pas enlever l'objet, il est maudit. C'est pas un bug. Objet maudit? Ah, ça veut dire quoi, les gars? Je sais même pas ce que c'est, il est même pas identifié. Un bug? Ah, par contre, hier, il y avait réellement un bug, puisque j'avais pas d'objet avec une tête de mort. Je pouvais plus switcher mes armes. Bon, là, pour le coup, non, c'est pas le cas, mais... Ça veut dire qu'il est maudit. Faut que tu l'identifies pour savoir ce qu'il fait. Ok. Mais genre... une fois que je l'aurai identifié... Tu peux plus le retirer? Ouais. Comment ça, non? Et ouais, mais moi je suis pas au courant de tout aussi, là. Ah, je pourrais te désenchanter. Bon bah... Ok, bah go, hein.
Juste fait le tuto car oui, j'ai fini par craquer en attendant la sortie de WoW la dernière fois. Ça parlait. Ok. Ah, je sais pas, le tuto je l'ai pas terminé, on est mort. Il a beaucoup de résistance ou parce que là j'ai moins de dégâts là. Ah bah oui, j'ai un bâton qui n'apporte aucune stat. Automatiquement. Pourquoi je lui ai pas mis de dégâts? Shona recouvre 1 de santé et restauration. Attends, par contre, j'ai mis 0 dégâts sur mon coup de bâton. Ok, j'ai plus de dégâts au corps à corps là. Ah oui, j'ai plus de bâton. Enfin, je tape avec le bâton, mais comme il a pas de stats. Il m'a bien baisé ce bâton de merde là. Vas-y, je me casse. Quand même reste de temps pour la quête. Quête. Ouais, c'est. Ouais, je me casse. Je vais aller voir ce que je fais avec ce bâton de merde. S'il faut, c'est de la grille. Je vais pas prendre de risque. Héroïsme! Tout à fait, moi, ça. Alors on se casse les gars, on reviendra au dangereux là. On récupère un peu des merdes. Quoique j'ai la peau à récupérer ici. Faut pas quand... Ouais, on va rentrer. Nana, on va rentrer Bertie. On peut pas faire le donjon avec sans bâton. Enfin, si je peux, si jamais je veux mettre fin à ce run. Comme c'est pas le cas. On va rentrer. On va essayer d'éviter les combats, mais bon, ça dépend pas de moi. Là c'est full est. Full est.
Ah, quand même peu de chance qu'il soit moins bon que le mien. Parce que même la pénétration d'armure 5%, j'ai tellement de pénétration sur. J'ai tellement de pénétration sur mes sorts de foudre. Ah, alors, ça peut être pratique pour. Ça peut être pratique pour le CAC éventuellement. Ok, c'est bon, on est arrivé. Je vais aller vendre la peau au tanneur, au couturier. Pourquoi tu veux pas me trade? Territoire 12, pourquoi pas? Ok, bon, il a pas trop envie de me faire du commerce avec moi, ce con. Je sais pas pour quelle raison. Il est peut-être trop tard, hein. C'est possible. Ah oui, il est trop tard. Tiens, vas-y, bois un coup. Récupère de l'eau. On va aller identifier tout ça. Et au pire des cas, je vais le désenchanter, j'en ai un. J'ai un parchemin. Chemin d'identification utilisé. Chance de maladresse -3%. Ok, pourquoi pas. Dégâts des armes. Donc c'est au corps à corps plus 10. C'est pas trop mal en vrai. Résistance à la douleur moins 33%. C'est plutôt cool. Chance de maladresse encore moins 3. Drain d'énergie. Plus 7%. Par contre, il n'a aucune valeur. Bon, il va falloir le réparer, c'est sûr. Je sais pas combien ça va me coûter. Parce que là, si je le désenchante, je vais perdre quoi? Je vais perdre les lignes bleues, j'imagine, c'est sûr. Et je vais perdre la malédiction, je pense. Il va rester quoi sur le bâton? Il va pas rester grand-chose du coup. Ah, vas-y, dors jusqu'à 6 h. Je vais aller le réparer, je vais voir. J'espère que ça va pas me coûter trop cher.
Non, c'est pas lui. Lui, c'est pour la peau. Que t'as des nouveautés? Non, je crois pas. Comment tu me rachètes la peau de 216? Ça me va. Bien. Non, je peux pas le réparer à lui. Ah, vas-y, mange un petit morceau là. La viande tendre. Pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va me demander une fortune pour le réparer. Que tu peux me réparer mon bâton? 12. Attends, mais il n'a aucune valeur ce bâton-là. Je sais pas, les gars, vous en pensez quoi du bâton? J'hésite entre c'est vraiment bien et c'est de la merde. Chance de maladresse et les chances de louper, c'est ça, hein? Chance de louper. Maladresse, maladresse. Les chances d'infliger des dégâts réduits de moitié avec les attaques. Ok. Lors d'une maladresse, les sorts consomment davantage d'énergie et ont un temps de recharge plus long. 13%. Ok. Là, je peux plus du tout switcher mes armes. Résiste. Ah non, c'est moins 33%. Ah, je... Ah ouais, non, et oh. Ah non, je résiste beaucoup moins à la douleur. Ah oui. Ouais, on est passé niveau 4, on a récupéré ce bâton, mais il est pas terrible en vrai. Je vais le désenchanter. Ça permettra de voir ce qu'on perd quand on désenchante un bâton de ce type. Je pense qu'on va perdre pas mal de choses, mais au moins je pourrais l'enlever. J'aimerais bien moi me garder un parchemin en stock tout le temps. Toi, tu dois en vendre. Désenchantement et la reset. Identification. Vas-y, désenchante-le. C'est quoi de cette merde? Ouais, bon, effectivement, c'est bien ce que je pensais. La malédiction s'en va et puis l'enchantement s'en va, logique. Ok, super. Vraiment pas mal ce bâton-là. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc. C'est vraiment de la merde. Vas-y, prends-les, hein. Tiens, je te le donne, c'est cadeau. Allez, on retourne au donjon.
Et on démo. J'ai pas retrouvé le rabot du charpentier. Il était sur une route au sud, comme c'est aléatoire. Il doit sûrement être autour de la ville sur une route. Certainement. Et regarde ça. Ensuite, on refera le troisième contrat et pendant que ça reset, on ira chez Rabris qui est pas très très loin. Ouais, il y a un petit peu de distance, mais sur la pluie de pire. C'est quoi en bas? Elle est là. Elles sont où les abeilles? Ok, pour le moment, on les a pas encore. Plantain, je vais quand même en prendre un. C'est où, c'est à gauche là? Ok, de retour. Ah, il veut pas y aller. De cette façon. Quelle raison? Ah, on a trouvé un bâton corrompu. C'était pas terrible. C'est le premier. J'imagine que tu peux quand même avoir de très très belles armes en corrompu. Voilà, c'était pas le cas. De l'alcool. Ok, ici, on n'a plus rien. Ça a été fait. Ah, ça c'est good. Là-haut. Là, j'ai mon sceau classique. Je devrais changer dès que j'utilise un sort de magie.
arrive en dessous. Petit coquin. J'avais même pas vu qu'il y avait une porte. Attends, y'a personne qui sort. M'étonnerait ça. Ils sont deux. Ok, ils ont juste ouvert la porte mais ils sont pas sortis. Attends, j'ai encore le bœuf depuis tout à l'heure. Ah mais tant que je suis en combat, je le perds plus ce bœuf là. Ah ouais, ça reset un... Ouais, ok, tant que je suis en combat et que je continue à balancer des sorts, je peux pas perdre le bœuf. Ouais, je monte là. Manque un truc? En quoi? Les perruillées, je crois qu'elle vaut pas mal d'argent. Ah non, c'est pas ça. Ah mais elle a pas de prix. Deux dégâts de poison. Durabilité 1 sur 5. De la musique classique. Alors, je sais pas si... ça serait bien dans le thème là. Il me semble qu'il y en a encore un. Je vais vraiment tout nettoyer avant de commencer à fouiller. Petit bonus qui fait plaisir. Ok, on est bon. Hache d'abattage. Ok, ça coûte un petit peu d'argent. Un petit peu de thune, une poignée d'ambre. Arc de paysan, c'est vraiment de la merde.
de la thune. Et bottes d'équitation toutes neuves, les mêmes que j'ai. Pense qu'on pourrait pas trop mal les vendre. Petite bouteille de tease. Arc court. Il y a vraiment beaucoup de malus de précision sur les arcs. Réussir à toucher quelque chose avec est un véritable défi, mais ouais, tu m'étonnes. Bon, il y en a juste derrière. En plus, c'est une gargouille. Ah, malheureusement, je l'ai pas poussé. Oh, pourquoi le tank autant? Boss? Ah, c'est le boss! Attends, c'est le boss? Il ressemble en tout cas. Ah, je crois que c'est lui. Bizarre, il lui manque un sort là. Ah, dans tous les cas, on se casse. T'as tué son nade à lui, c'est un petit mouton. Il m'a pas droppé grand chose là. Arbalète de chasse. Précision moins 45, c'est déjà beaucoup mieux. 292. Surtout qu'elle est pas. Elle est pas full. Eh, elle est pas mal l'arbalète. Combien de portée? 8 de portée en plus. Quand l'énergie des capacités et des sorts automatiquement, c'est pas fait pour.
Grimoire interdit, ça c'est la quête. La buste du roi 100 balles. Qu'est-ce qu'on a ici? Boucle d'oreille dorée. Un petit peu de thune, une amulette. Le spectre. Anneau de cuivre ancien. Là, en argent, j'aimerais bien le récupérer. Ok, bah nice. Alors, attends, parce qu'il nous reste un endroit qu'on n'a pas fait. Ici. Ah merde, je pense pas vérifier l'XP que donnent les boss. Bon, il a pas dû me donner énormément. Peau de lapin 120 balles. Ici c'est vide, ici c'est vide. Hache de bûcheron. Il a déclenché le piège, il est mort sur le piège, ce con.
Ouais, les critiques quand on a stack le retour de flamme, commence vraiment à faire mal là. Maintenant d'identifier, je peux pas la récupérer. Je peux libérer 3 places. L'âge d'abattage en vrai. Eh bien, je vais la vendre. Assez peu. Ok, c'est terminé. Combien d'XP? 530, on a fait un quart du level. Qu'est-ce qu'on ramène de spécial là? Oh, il voit une peau d'ours. 756. Ah, par contre, ça prend 8 cases. Voix d'élan 225. J'en ai besoin pour la quête. Trouver une peau de... Ah non, c'est une peau de bison. Trouver une peau d'ours pour Hold le tailleur. Si seulement j'étais sûr que la récompense en valait la peine.
C'est quand même cher. Ah, ça fait quand même assez cher. S'il me file une récompense de merde, surtout que c'est quasiment toute ma thune. Après, j'ai pas vraiment besoin d'argent tout de suite. On a déjà payé l'accès à la troisième ville. Là, je vais refaire 400 balles avec la récompense de quête. On va vendre un petit peu, on va faire un petit peu d'argent. Je suis pas prêt de tuer un ours. Je vais sûrement lui acheter. J'ai de parchemin d'identification 3. Ça, c'est sûr que ça va pas m'intéresser, je vais le mettre de côté. L'amulette. Précision, résistance au saignement, résistance aux dégâts creusants. Ok, on va la vendre. Elle est également en vrai. Ah, quoique, on sait jamais si c'est une dinguerie. Encore une masse corrompue, putain, j'en ai jamais eu une seule fois depuis le début. Et là, j'ai eu deux masses, enfin deux armes maudites. 17 de dégâts écrasants, pénétration d'armure. Ah ouais, putain, puis elle est pas trop mal en plus. Ah, et encore ouais, plus 10 de dégâts d'armes. Et moins 33% de résistance à la douleur. Ah, on a encore le même affixe. Chance de maladresse moins 3, chance d'ébété plus 13. Là, j'imagine que si tu joues corps à corps, c'est pas trop mal. Voir combien je peux en tirer. Ah, ça c'est ma récompense, ça je vais le vendre, je sais pas, on va voir à qui. Ah merde, attends, il s'est passé une semaine déjà. Il a toujours la peau, je pense. Ok, bouge pas, j'arrive. Les bibelots. Alors attends, déjà je vais réparer la masse. Comme il me demande. Ok, je peux pas la réparer ici. Comment tu me l'achètes tel quel? Ok, il me l'achète quasiment rien. Ok, c'est sûrement l'autre vendeur. Mais tu m'achètes ça 63, 58, les amulettes 92, 61. Trois 69, c'est un petit peu plus rentable. 70, c'est un petit peu plus rentable. Je pense que c'est lui le mieux pour les bijoux. Pour les pots, c'est sûr que c'est lui le mieux dans cette ville.
95. Ah non, l'autre, il m'a acheté les amulettes un tout petit peu plus. Ok, vas-y, tiens, cadeau. 70, 56, 18, 98. Les bottes, il me le reprend 44. C'est quoi, plus 7? Ça me coûte 17. Vas-y. L'anneau 32. J'ai une 1300. Là, s'il me file une récompense de merde alors que je vais lui claquer une peau à 700 balles. Ah, tiens, récupère la peau de lapin. D'argent à 42, combien elle coûte? 60. Ok, oh, peut trouver mieux. Pas si c'est pas l'herboriste d'ailleurs. Peut même le reprendre. 38. Vas-y, redonne-moi un petit soin. Ah, c'est peut-être le vendeur sur le marché. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est maquette. C'est quasiment sûr que non, elle me le rachète pas du tout. Là, tu me le rachètes. 42, ok, c'est le même prix, vas-y, prends-le. Prends-le, prends-le. Allez, vas-y, file-moi ta peau hors de prix. 756, putain. Cher. Ah, c'est très très cher. Ah ouais, c'est mis bien lui là. Terminez votre tâche. Salora, voyez cela, vous l'avez fait. Très bien. Voici votre récompense. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750 balles. Ah, c'est plus ou moins le prix que j'ai acheté la peau. J'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Par contre, si t'arrives à chasser un ours, 750 balles. Quand même une grosse récompense.
gagner de la répute. Alors combien tu me l'achètes ce bâton? L'achète 4. Hein. Combien pour le réparer? 86. Combien tu me l'achètes maintenant? 22. Ah ouais, je reconnais ça. Je reconnais cette arnaque. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est invendable ce genre d'armes. Ah, mais plus tard on trouve un vendeur qui te les achète, sinon c'est invendable. Là, si je la reset, je vais perdre. Ouais, non, je vais pas la reset, vas-y, 22. Bah écoute, je me suis encore fait douiller. Ah, c'est pas grave maintenant, c'est. D'escroc. Ah non, il me l'achète même pas. Ok, alors il me l'achète même pas. D'accord. Qui c'est qui va me l'acheter cette merde là? Hey. Bon. Donne-moi des carreaux là. Carreaux Botkin. 160 les 20, précision plus 25, pénétration d'armure, dégâts d'armes moins 10, carreau de feuilles de laurier. Ouais, non, je pense qu'on veut celle-là. Hein. Voilà, merci à toi. Elle coûte cette arbalète 446. Ça pourrait nous servir. Et la massue, elle coûte 173. Ouais, ça se vend quand même assez mal dans tous les cas. Ah, pour le moment, je vais la garder, mais. La rachetez pas, lui. Hein. Ah, ouais, elle est corrompue, tout le monde s'en douille. Peut-être lui, je sais plus s'il me la reprenait. Non, non, ah, il me la reprend. Non, non, même pas, il me la rachète même pas. Ici, on peut pas la vendre. Le forgeron, il me la reprend pas. Ok, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais la déposer. Le trappeur, je m'étonnerai. Le poivreau, là, il n'en veut pas. Non. Je suis ici pour ma récompense. J'écoute. Bah, au revoir la thune. Merci à toi. Je ne serai pas contre un peu de travail. La source de la corruption. Reprends les mots. Et là, du coup, c'est chez les sangophages. Bah, let's go. On est prêt?
Tiens, vas-y, récupère ta merde. Ah, j'ai du soin, il me reste encore deux crochets. Ah, je pense que ça devrait le faire. Je vais quand même reprendre des crochets parce que la dernière fois il m'a cassé deux crochets coup sur coup. Je me retrouve dans le donjon et je peux plus ouvrir les coffres ou les portes. Je vais être déçu. Voilà. Ça c'est good. Oh, on a un stuff correct, mis à part la cape, mais je vais la remplacer par le sac à dos rapidement. Et Rosiglo. De toute façon, je vais en prendre qu'une. Je vais en vendre une autre à peur. Allez, on se casse. La direction ici. On va suivre la route, on va passer par là. Il y aura la forêt à traverser.